Allez, faut pas se couper les amis. Faut vraiment pas se couper là. Salut les amis, aujourd'hui je suis en compagnie de Tony et nous sommes de retour sur cet ouvrage que nous avons essayé de faire à fond puisque la première fois il y a une pièce que nous n'avons pas pu visiter puisque l'échelle est manquante. Allez, c'est parti, on se retrouve dedans. Toujours la glace ici. Tu pèges le charbon. Hein. Infirmerie. C'est vraiment tout petit, hein, l'infirmerie. Les latrines. Et nous, je crois que c'est le bloc du fond. On a pu rentrer à moitié puisque l'étage supérieur, l'échelle est manquante. Et je suis en train de me rappeler que si mes souvenirs sont bons, on aurait peut-être besoin d'une corde. Chose que nous n'avons pas pris. Ouf! Alors là, il y a un animal mort. On dirait un lapin. Et on dirait qu'il n'a pas été dévoré, c'est ça le pire. Il n'a pas été dévoré parce que il n'y a pas de marque de croc, quoi. Enfin, peut-être 2-3. Un lapin ou une marmotte? Je sais pas, on dirait des pattes de lapin. Un poil blanc comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il serait pas tombé? Il serait peut-être tombé, ouais, il y a des poils, pauvre bête, il y a des poils accrochés là. Je pense qu'il s'est cassé la gueule. Les citernes, elles sont vraiment énormes en plus. Hein. C'est déchambré. C'était des machines certainement. Citerne, et là on dirait que c'était les blocs moteurs. Moteurs qui ont été pris bien sûr, puisqu'on ne les voit plus. Sacré coup hein, en tout cas. On est assez rapide sur l'exploration puisque c'est un ouvrage qu'on a déjà fait bien sûr. Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne dans la playlist exploration. Là on met un petit coup de récap hein, puisque pour nous c'est la deuxième fois. Ça permet un peu de se remémorer, de voir s'il y a eu des changements par le vestige du temps, par les dégradations causées par le vandalisme. Là c'est des cuisines, on voit encore l'ancien poêle complètement détruit. C'est un stockage de vivres. L'œil. Donc ça donne sur la bouche des ventiles qui a plus haut au-dessus de l'ouvrage. Moteur de ventile. Et donc là, c'est la partie qu'on n'a pas fait la première fois, puisque l'échelle est manquante. Et ce qui nous manque, donc, c'est l'étage au-dessus, là. Vous voyez là, au bout de ma lampe. Donc il y a un accès, donc soit je passe par là, soit on passe par l'extérieur. Je vais réussir à rentrer dans le créneau, c'est ça. Il y a une issue de secours, donc c'est ce qu'on va faire. On va sortir, on va rentrer dans le créneau par l'issue de secours, et je vais essayer d'escalader jusqu'à la pièce au-dessus, où on va voir, on va essayer de se débrouiller. Thank you.
pas, je dis bien. Allez, c'est parti. C'est un petit 4 pattes là. Alors là, c'est une issue de secours. Ils sont toujours dans les fossés diamants généralement. Donc là, on tombe là sur cette pièce renforcée. Donc là, il y avait une échelle qui partait là du bas. Quel est dans le bloc de combat là-haut? Alors, on va voir si on peut trouver une solution pour monter. Hop là. Alors, on va essayer de monter, mais surtout, on va voir si on peut s'assurer de pouvoir redescendre après, par la suite. On est arrivé. Alors, du coup, j'ai laissé l'ampe en bas, j'ai plus qu'une lampe, donc l'éclairage va pas être le même. Mais on est enfin arrivé. Alors, on est sur un créneau où il devait y avoir un fusil mitrailleur. On voit encore le support où tient 11 grenades. Une partie du verrouillage qui ressort. Le blindage, c'est impressionnant. Et là, le créneau est énorme, avec une vue sur la route. Là, si vous voyez l'ennemi monter, ça ne fait pas louper. Hein. Là, je pense que non, je pensais mortier, peut-être un mortier, un canon anti-char, mais. Le créneau il a pas l'air assez gros. Puis je vois pas d'ancrage. Bon, je pense qu'il doit y avoir un fusil mitrailleur. Alors doublé je sais pas mais bon, je suis quand même content. J'ai réussi à le faire. Il m'a manqué juste cette pièce pour pouvoir clôturer l'ouvrage. Du coup, on est arrivé. Ouais, ça fait quand même ouf. Donc l'échelle, là, vous voyez, c'est ces barres, là. L'échelle est manquante, donc je sais pas si elle était enlevée volontairement pour pas qu'on puisse y accéder, ou si elle était pillée par les ferrailleurs, ou... Quelqu'un est monté, parce qu'il me semble que cette barre était baissée la première fois où on est venu. Bon, bah du coup, les amis, nous, on va faire machine arrière. Oh, ça va être chaud patate, là. C'est bon, là, je peux comme ça. C'est d'être stratégique. Là, si je me loupe, je crois que je suis cuit. Je suis vraiment cuit, là. Pas se louper. Ça m'a l'air de tenir. Là c'est bon, je peux presque dire GG, m'auto-féliciter, mais hop, c'est bon, on l'a fait.